Les provinces de l'Iran, qui sont situées sur la mer Caspienne, ont un aspect nettement tropical. Elles diffèrent par là de celles du plateau. Les villages, souvent construits au milieu d'une végétation dense et touffue, font penser plutôt à ceux de l'Extrême-Orient. Les maisons, souvent spacieuses et propres, sont recouvertes de paille de riz. Entourées de jardins, elles sont parfois agrémentées de larges balcons. Contrairement aux habitudes d'autres régions musulmanes, les femmes ne sont pas voilées. Leur tête est recouverte d'un linge blanc enroulé en coiffure et leurs jupes multicolores, relevées sur des pantalons sombres lorsqu'elles travaillent, se portent amples et décoratives les jours de fête. La mosquée est le monument principal du village. Celle-ci, à l'ombre de grands arbres, est en bois savamment travaillé. Les femmes se hâtent, vaquant à leur travail. Ou cueillent le thé. Leur costume, entièrement tissé à la main, tout au moins dans certaines régions, est fort élégant. Elles sont aimables et accueillantes, invitant facilement l'étranger à visiter leur demeure, si humble soit-elle. Les villages s'étalent entre les plages humides et les hautes montagnes couvertes de vastes forêts. Les animaux paissent en liberté dans cette contrée tranquille qui, çà et là, est parsemée de tombeaux d'un caractère et d'un style rappelant étrangement des monuments de la campagne romaine ou des églises de Bourgogne. Ce tombeau du XVe siècle est un lieu de pèlerinage.
Des femmes venues y prier se balancent pieusement en psalmodiant des versets du Coran. De grandes rivières descendent de la chaîne de l'Elbourz, dominée par le Demavand, qui, haut de près de 6000 mètres, se perd souvent dans les nuages. Les villes ont été parfois modernisées. Quelques-unes ont gardé leur caractère ancien. Amol, construite sur l'emplacement de la cité détruite par les Mongols au XIIIe siècle, a, grâce à ses toits plats recouverts de tuiles, un style particulier. Dans un jardin d'Amol, un monument religieux est orné de peintures curieuses, dont l'une représente le Bora, l'oiseau fabuleux à tête de femme, qui enleva le prophète Mohammed au paradis. Tout à côté, un tombeau en ruine est recouvert par endroits des carreaux de faïence traditionnels. En général planté sur le versant des collines, et sa culture est l'objet de grands soins. Le sol est biné et sarclé. Que la jeune pousse est à point, elle est adroitement cueillie, puis entassée dans de grands paniers et emportée pour être mise à sécher. Les bûcherons descendent de la montagne. Leurs chevaux, chargés de bois et eux-mêmes, traversent à gué rivières et ruisseaux. L'instrument dont ils se servent est spécial à cette région. Les rizières, dominées par les cimes neigeuses, s'étendent tout au long de la côte même. Leur eau stagnante scintille sous le soleil. Par-ci, par-là, les curieuses constructions des greniers à riz bâtis sur pilotis. Qui dit rizière, dit boue. Hommes et bêtes ont du mal à s'en extraire, et ce laboureur, à la fin de sa matinée de travail, a comme premier souci de laver son bœuf patient avant de procéder à sa lessive et à sa toilette personnelle.
la boue est partout. Elle est le royaume des grenouilles peu mélodieuses, mais aussi peu farouches. En voici une à l'œil fixe. Quatre, d'un seul coup, côte à côte dans l'herbe. Une autre, au regard inquiet. Une autre encore, file dans une indifférence paisible. Même sous la pluie, enfants et femmes portent leurs costumes multicolores. Qu'importe si leurs pieds sont boueux, ne sommes-nous pas dans la province qui a nom le Guilan, ce qui veut dire pays de la boue. Les moutons y trouvent d'abondants pâturages et les troupeaux sont nombreux. Ce berger doit être un habitué de la ville. Contrairement aux autres villageois, il ne se laisse pas intimider par la caméra. Il se sait joli garçon. Et tandis que les autres vont et viennent et l'observent d'un œil goguenard, il se pavane. À ses côtés, assis dans l'herbe verte, son chien fait aussi le coquet. Mal leur en prend à tous les deux. Le troupeau abandonné s'est dispersé. Et franchissant barrières et murets, les pauvres moutons se font recevoir à coups de pierre par les villageoises mécontentes qui les poursuivent à qui mieux mieux. Et les commères de se moquer du berger maintenant penaud. La pluie commence à tomber sur le village en fête. Et la boue devient épaisse et collante. La caméra intimide les enfants. Comme eux, les chiens aussi tournent le dos. Seuls, les hommes aux grands bonnets de fourrure s'enhardissent. Le samovar bout sous une tente improvisée et le thé est préparé. La pluie gicle sur les costumes de fête. Sur la route, elle rebondit dru sur l'eau de la rizière. Au loin, les nuages bas traînent le long des collines. Noble et large, est le geste du laboureur qui peine dans cette masse lourde et gluante. Des centaines d'oiseaux roses passent en vol rapide. L'horizon s'obscurcit de plus en plus et d'épais nuages courent maintenant bas sur la mer. L'eau apparaît partout, de tous côtés.
d'immenses bandes d'échassiers parcourent le ciel. Pays saturé d'eau, les rivières se forment dans chaque repli du terrain et viennent se jeter dans la mer Caspienne. Des pêcheurs isolés parcourent les estuaires dans l'espoir d'y harponner le saumon. Pêche dans des barques primitives. Les pêcheries les plus importantes se trouvent près de l'embouchure des rivières. Les plages sont généralement désertes, solitaires. Parfois, une pêcherie modeste y fait sécher ses filets. De hameçons qui, posés en travers des rivières, harponnent au passage les sturgeons précieux. Ils sèchent ici en groupes de formes bizarres et presque hallucinantes. Et c'est le soir. Et le retour des voiliers qui, après une longue journée de pêche infructueuse, s'en reviennent souvent, hélas, leur cale vide. Seuls habitants des plages, les échassiers patients, pêcheurs infatigables. Les vagues se brisent mollement. L'eau brille sous les dernières lueurs du soleil qui, doré, se couche sur les rives de la Caspienne.